Bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'oracle Sacré-Cœur de Dorine et Gilbert. Vous allez voir comment il est joli cet oracle. Alors, il coûte 34,90 €, bon 35 €. J'ai payé 5 € quelques de frais et je l'ai reçu en 2 jours, très 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 vite. Je ne sais pas si Dorine, elle était derrière l'ordinateur à attendre qu'on les commande. Alors, il est fermé sous blister. Mais je le connais déjà parce que je l'ai découvert dans la chaîne de Jonathan. Et vous allez voir, je vais vous dire beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'a dit Jonathan parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais voilà, je l'ai reçu et maintenant à mon tour de vous le présenter. J'espère qu'il va vous plaire. Alors, je suis de retour. Alors, comme je vous expliquais, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine et Gilbert, c'est un oracle auto-édité. Il y a 63 cartes. Vous allez voir comment elles sont belles. La boîte, j'aime beaucoup parce que c'est une boîte rigide avec les couleurs, donc le mauve qui fait un peu spiritualité et le rouge qui nous rappelle l'amour. Alors, on va l'ouvrir. Vous savez, pour un jeu auto-édité, je trouve qu'il n'est pas cher parce qu'il y a même la boîte et tout et c'est super. Voilà, oracle Sacré-Cœur. On a ici le cœur. Ça me fait penser un petit peu au cœur de Titanic, mais celui-là, il est rouge. Avec, c'est très, très joli. Voilà, je vous montre la boîte. Et qu'est-ce qui nous marque ici derrière? Alors, je vais vous lire. L'amour est la vibration la plus puissante qui soit, est en cœur de nos vies. À chaque instant, il nous guide dans nos choix et nos décisions. L'amour nous fait vibrer et nous pousse à devenir meilleurs chaque jour. Mais peut aussi être source de peine, d'inquiétude et de désillusion. Ce magnifique oracle de 63 cartes réalisé avec amour et accompagné de son livre explicatif détaillé vous guidera et vous accompagnera dans votre vie sentimentale afin de vous aider avec précision et à déterminer les blocages affectifs qui vous empêchent de vous épanouir et vous permettra de prédire votre avenir sentimental. Très simple d'utilisation, il sera répondre à toutes vos interrogations, vous conforter dans vos choix et révéler votre destinée. Dorine Gilbert. Bon, j'espère qu'avec mon accent, je prononce bien. Allez, on va l'ouvrir. Alors, une jolie boîte. Là, il y a un joli mauve. Hein? Le couleur violet, les spiritualités. Avec un petit livre. Oh, c'est joli. Bon, je l'avais vu déjà, hein, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on ouvre un jeu et qu'on découvre. Il nous a marqué un petit message. Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie maintenant et pour toujours. Et oui, c'est important l'amour. Hein. Alors, une belle boîte, comme je dis tout à l'heure. Hein, très jolie. Un livret que je vais vous montrer un peu plus tard. Je vais le mettre ici. Et voici les cartes. Tchan, 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 tchan. Nouvelle relation. Ah, ça commence bien. C'est très, très joli. J'adore les couleurs. Ce mélange voilà, de spiritualité avec l'amour. L'amour sacré, comme on l'a marqué sur sa boîte. Qu'il soit l'amour pour vos enfants, l'amour pour un conjoint, l'amour pour des amis. Hein. Pour l'amour pour votre animal, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'amour que vous donnez à un être cher ou à quelque chose que vous tenez, quoi. Alors, le dos sublime, un dos qui est vraiment que je trouve magnifique avec ses couleurs, avec les petites quatre comme ça, les petites repères, je sais pas comment dire, que ça fait un peu comme un encadrement. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup. Ici, les tranches sont dorées, un petit peu pailletées. Alors, j'aime bien, hein, j'aime bien les tranches dorées. J'aime bien aussi nature parce que bon, je m'amuse souvent à faire moi les tranches. Dernièrement, j'étais un petit peu déçue des tranches qu'on trouve dans les jeux parce qu'ils ne tiennent pas dans le temps. Mais bon, je ne sais pas, peut-être cette qualité va tenir mieux, j'espère. Parce qu'il est pailleté et d'habitude, celles que j'ai, ils ne sont pas pailletés. Donc, mais c'est vrai que ça s'habille de prestige. Une couleur comme ça,
Ça fait vraiment très 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 beau d'avoir une pailletée, une couleur dorée comme ça. Ça va très bien avec les petits cœurs et ces dessins-là. Alors, on va l'ouvrir. Attendez, parce que c'est collé. Voilà. Concernant la taille, je vais vous montrer. Il est bien épais. Hein? Il y a beaucoup de cartes, c'est bien. Alors, par rapport à la taille, je vous ai sorti une carte de l'oracle d'Evelyne pour que vous vous rendez compte un petit peu. Voilà la différence de taille. Donc, bon, c'est une taille classique. Maintenant, les oracles, on les fait de plus en plus grands. C'est vrai qu'on voit très bien les images. Et c'est bien. Alors, je vais vous montrer les cartes. Comme j'ai entendu dans la vidéo que j'ai vue, en fait, il y a 63 cartes et qui sont divisées en 3 parties. Donc, vous avez 21 cartes neutres, 21 cartes positives et 21 cartes négatives. Et il y a une différence de couleur. Je ne sais pas si vous le voyez, on le voit bien à la caméra. Et vous avez ici les mobs. C'est les cartes neutres, il me semble. Les positives, ça va être les roses. Et les négatives, ça va être les bleus. Hein? Allez, on va les regarder. Regardez comme il est beau. Bon, je sais, je tchatche trop. C'est là déjà la première, j'adore. On commence par une nouvelle relation avec le livre. Or, comme ça, le cœur, la plume, c'est très très beau. Donc, nouvelle relation. Oh, magnifique aussi. La porte qu'on rentre avec tous ces petits cœurs. Période de rencontre. Compromis, effort et action. Vous voyez tous les engrenages qui se mettent en place. Retour d'un ex. Choix et décision. Aïe, ce sont vraiment très très belles les couleurs. Justice. Les dessins sont simples et clairs. Hein? Déplacement et voyage. Projet, réflexion et pensée. Imprévu et inattendu. Distance, éloignement. Période d'attente. Changement et transformation. Amitié amoureuse. Étape à franchir. Valeur et croyance. Communication, échange et nouvelles. C'est joli. Rêve et espoir. Été. Alors, on a les quatre cartes des saisons. C'est super. Parce qu'on peut donner une datation approximative. Donc, l'été. Printemps. Automne. Hiver. Il est super beau, super beau. Un travail magnifique. Alors, on change maintenant avec les autres 21 cartes. Stabilité, équilibre. Amour partagé et heureux. Complicité et rapprochement. Gestation. Nouveau départ, union sacrée et karmique. Donc je pense que Dorine, elle doit avoir un amour spécial pour cette carte, pour avoir appelé son oracle le Sacré-Cœur. Amour inconditionnel et durable, très bon, ça me fait penser à la Belle et la Bête. Enfant.
base solide constructive, un flash, c'est très bien représenté, invitation, désir, envie et passion, la petite fiole, fleur de séduction, avec une belle chaussure, solution, super, on a le cadenas avec la clé, attraction et attirance, aide et soutien, moment cocooning, le chocolat c'est super, fête, sortie et activité, évolution, entourage proche. Et là, il n'y a rien marqué, donc ça doit être la carte Sacré-Cœur. Ça doit être la carte qui vous amène sûrement, quand vous faites un tirage, qu'il y a une carte peut-être qui n'est pas très, voilà, plutôt négative ou quelque chose qui vous fracasse, qui vous bloque. Cette carte, elle va venir pour vous aider, pour vous dire que la chose, elle va passer. Le problème ne restera pas longtemps parce que cette carte, elle vous amènera tout ce qui est un peu plus positif, un peu plus de bonheur, de quelque chose de dire que c'est passager, que ça va aller. Et là, on passe aux cartes plutôt négatives. Alors, doute, tracas et remise en question. Vous avez le cœur et le cerveau. Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? J'écoute mon cœur ou j'écoute mon cerveau, hein? C'est lié les deux, hein? Moi, j'écoute le cœur, hein, mais bon, c'est que moi. Hein? Dispute, désaccord. Très joli, très bien fait. On voit les petites fleurs là qui sont tristes. Trahison, mensonge et déception avec l'épée. Jalousie et rivalité, magnifique carte. J'adore avec le serpent. C'est très très beau. Difficultés, freins et obstacles. Emprise et manipulation, superbe, magnifique. On voit là le poignet et on voit que là les manottes, cette personne se sent liée, attachée et elle ne peut pas avancer. Alors il y a une manotte qui est ouverte, mais elle est quand même sur l'emprise. Tristesse et mélancolie. Joli. Solitude et isolement. C'est très beau. Hein? Période de deuil. Rupture. Difficulté à ouvrir son cœur. C'est super bon. On n'arrive pas à trouver la clé pour ouvrir. Excusez-moi si je répète que c'est très beau, mais je le pense. Vous savez comment je suis. Et quand je dis quelque chose comme ça, je me répète, mais c'est que c'est tellement beau. Violence et agressivité. Amour vénal. Eh ouais. Souffrance et blessure du passé. C'est mignon. Peur et destruction. Magnifique aussi. Schéma répétitif. Ouais, des fois on tombe sur la même chose et on ne se rend pas compte. Triangle amoureux. Aïe, 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 aïe. Très belle. Habitude, routine et lassitude. Mise au point. Très bien faite cette carte aussi. C'est beau. Décalage énergétique. Il y a encore la carte. Alors, on en a deux cartes comme ça. Oh, une, attendez. On en a deux cartes. Ah oui, oui, je vois. Je vois, je vois. Alors, vous voyez bien qu'il y a deux couleurs différentes. Là, on est dans le rouge, là, on est dans le bleu. Ça va être plutôt par les cartes...
Ça va être plutôt côté positif et cela va être plus dans les côtés négatifs, hein, le plus et le moins. Hein. Cette carte, elle va vous aider, elle va vous aider à avancer, à dire que c'est quelque chose qui va passer, que c'est passager. Cela, elle va vous dire aussi une mise en garde, de vous dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas se réaliser, qui va prendre du temps ou qui ne va pas se réaliser comme vous le souhaitez. Hein. Je trouve cet oracle vraiment super beau, super beau. Plutôt magnifique, hein, parce que bon, des fois j'emploie aussi les mêmes mots, mais je le trouve vraiment très très adapté. Les couleurs, j'adore les mélanges de ces dorés aussi. Le serpent qui est sublime. Excusez-moi, je regarde, je vois pas la caméra. Même celle-là, elle est magnifique. Je trouve vraiment très 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 beau. Alors, on va regarder le petit livret. Alors. Vous voyez, comme il a dit Jonathan, et que je le rejoins, certaines cartes, voilà, avec certains jeux aussi, avec le nom que vous avez mot-clé, des fois vous n'avez pas besoin de livret. Mais quand même, moi je suis contente d'avoir un livret. J'aime bien aussi regarder ce que l'auteur a dit en supplément du mot-clé, pour voir son point de vue. Après, moi, je me fais ma même idée aussi, hein, ma propre interprétation, mais j'aime bien aussi avoir un livret, et ça peut aussi aider aux personnes qui ne savent pas, qui démarrent, si c'est une personne qui n'a jamais acheté un jeu et que c'est le premier qui l'achète, c'est bien d'avoir un petit livret qui explique un petit peu les démarches et comment faire. Hein. Alors, il est en couleur, donc c'est sublime, hein, sublime, les livres en couleur, j'adore ça. C'est un papier glacé. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un oracle qui est limité. Donc, si vous le voulez, dépêchez-vous parce que peut-être il n'y en aura plus après. Alors, elle a fait aussi l'oracle sacré divin homme. C'est un oracle que je voudrais aussi acheter. J'ai déjà flashé sur le dos. Je trouvais les dos magnifiques. Dorine, elle est très forte pour faire des cartes vraiment très très belles. Et j'adore. Donc, c'est prévu aussi que je me le prenne. Bon, je ne peux pas tout prendre d'un coup. Mais c'est sur la géométrie sacrée. Et ça m'intéresse. Et je suppose qu'il est sublime. Hein. Voilà, vous avez ici le sommaire avec le nom des cartes et le numéro pour arriver facilement. Comment utiliser les cartes de l'oracle Sacré-Cœur? Voilà, il nous explique ici les étapes à effectuer. Là, il nous marque des méthodes de tirage. C'est très bien, la méthode du prénom. Comment faire pour nettoyer les cartes, les significations des cartes. Et là, vous avez la carte dessinée avec les mots-clés. Et en plus, vous avez ici la définition. Et vous avez pour les célibataires et pour les couples. Mais c'est le top. C'est le top. Franchement, c'est vraiment, c'est trop beau. Et ici, vous avez exemple d'association des cartes. Ça, c'est très bien parce que quand on ne sait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut aider à beaucoup de personnes à apprendre à savoir comment faire, que se donne une idée avec une association des cartes, qu'est-ce que ça peut donner. Donc, j'adore. Franchement, il est très très beau. Dorine, je vous félicite parce que vous avez fait un jeu magnifique et j'ai hâte d'avoir aussi le deuxième. Regarde comment elle est belle. Oh, elle est magnifique. Hein? Trop 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 jolie. Médium, sophrologue, thérapeute énergétique. Elle est très jolie. Regardez comment elle est belle. Très très jolie. Avec le gros cœur. Et là, vous avez ici donc son Facebook, YouTube, Instagram et son mail. Je vais essayer de vous mettre son lien un peu plus bas. Hein? Je vais voir si j'arrive. Merci les amis. J'espère que cet oracle vous a plu. Moi, je l'adore. Franchement, je ne regrette pas mon achat. Il est super. Je vais beaucoup m'en servir. J'aime parce que c'est des dessins simples. Enfantin, un petit peu là avec le nounours, ça me fait penser à la Belle et la Bête, comme je vous ai dit, mais j'adore déjà ça. Ces deux cartes, elles sont vraiment très, très belles. Merci Jonathan de me l'avoir fait découvrir et merci surtout à Dorine d'avoir fait un jeu aussi beau. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt.